Alors, tout à l'heure, la Loxam et le petit forestier s'étaient un peu frictionnés. On va voir si c'est encore le cas. C'est parti, Benjamin Rivière, Olivier Panis. Olivier Panis, deuxième. Ça vaut toujours le pesant de cacahuètes. Allez, voilà, maintenant, messieurs, on peut se lâcher, on peut doubler. Oui, et à l'attaque, Panis. Sur Benjamin Rivière, Panis lui-même attaqué. Olivier Pernod qui attaque déjà. Attention, Nathalie Berton, il y aura une belle bagarre également. Et voilà, Olivier Pernod vient à l'intérieur. Oup, on se rapproche de Nathalie Berton. Et dans la descente, l'endroit le plus rapide du circuit, on le rappelle. Oui, alors là, dans la descente, il faut avoir le cœur bien accroché, le harnais aussi, tout le monde là. C'est bon, il est toujours devant. Pas d'attaque d'Olivier Panis pour le moment. Et Olivier Pernod qui tente de revenir sur Nathalie Berton. En tête, pas de soucis pour l'instant. Ah, ça revient du côté de Panis, ça revient au freinage. Il a fait l'état, Nathalie Berton suit, c'est coupé, hein. Les quatre sont dans le coup là. Je vais dire que c'est un petit train électrique, parce que quand même, ça n'a plus le petit train en ce moment. Le trophée, il creuse un tout petit peu l'écart. Il y a une petite touchette d'Olivier Panis, qui est un petit peu le côté gauche abîmé là. Oui, mais c'est les restes de tout à l'heure, je ne sais pas. Benji toujours devant. Oui, toujours devant avec une petite seconde d'avance. Benjamin Rivière, meilleur temps sur le premier tour. Grosse attaque d'Olivier Panis complètement en dérive. Et il a toujours le même style, ce diable de Panis. Suivre Berton, Olivier Pernod. Formidable attaque d'Olivier Panis qui freine le plus tard possible. Ouais, toujours 8 dixième. Et au freinage, il se rapproche vraiment de Benjamin Rivière. Alors que le freinage là de Panis peut-être à l'intérieur, il va essayer quelque chose. Oui, là où il avait quelque chose au bac de Panis, ça ne passera pas, ça ne va pas montrer assez, mais il attaque très fort Berton et en embuscade et Olivier Pernod quatrième. Ah, le spectacle vraiment par Olivier Panis, il ne lâche rien, hein, que ce soit pour une victoire. Une deuxième place, une dixième, c'est toujours l'attaque de la part de Olivier Panis. Mais Benjamin Rivière n'est pas le premier venu et il réplique parfaitement. Je me demande s'il n'est pas Panis. Gamin, c'est plus Olivier. C'est plus joueur, oui. Ouais, c'est plus joueur. Il pique les jouets d'Aurélien. Ouais. C'est pas joli, il y a quelques jours de Noël. Ça va être terrible. Alors, attention, toujours à peu près le même écart, j'ai l'impression. Entre les deux, ça s'est même un peu réduit, plus que 6 dixièmes. Panis reste dangereux. Panis reste à l'attaque. Berton tout près derrière. Il va se dire quand même, ils sont un peu cinglés devant. Ouais, il dit au cas où ça se passerait mal, je pourrais récupérer quelque chose. Ah, il y a un peu de parcours. Oui, il attaque Berton. Et Olivier Pernod qui revient sur les trois. Précédent, c'est la bande des quatre. La bande des quatre est là. Et Panis toujours très proche. Berton qui observe et Olivier Pernod juste derrière. Voilà pour la hiérarchie. Les deux tours de la fin. Benjamin Rivière qui dirige bien cette course. Hein, Panis essaye. Oh, attention, il s'est un petit peu loupé là. Mais grosse attaque de Panis, ça ne passera pas, mais c'est magnifique. La grosse attaque de Panis, mais Benjamin Rivière, impeccable. Il maîtrise pour l'instant, il n'a pas laissé d'ouverture. Petit forestier, mais grosse attaque. Ouais, grosse attaque. Grosse attaque, mais Benjamin Rivière, pour l'instant, parfait. Il connaît bien Olivier Panis, hein. Il sait qu'il peut à tout moment être attaqué. Oui, il a été à l'intérieur, ne laisse pas l'opportunité. Là, il est parti un peu trop loin, Panis. Et course intelligente de Nathalie Berton qui est un peu en retrait et va chercher le point du record du tour et pour l'instant il l'obtient. Eh oui, c'est très malin de la part de Berton. On l'a connu moins calculateur, c'est bien, il a pris de la grade. Allez, une nouvelle attaque de Olivier Panis, au même endroit. Elle est belle. Elle ne suffit pas. Non, ça passera pas. Rivière protège parfaitement à l'intérieur. Il connaît les endroits où Panis peut attaquer. Dans les épingles évidemment, mais à la relance, on a ça. Rivière. Quel niveau de pilotage. Allez, ici, Panis va tenter quelque chose de nouveau, bien à l'intérieur, mais intelligemment Rivière. Il a freiné, c'est bon. Oui. Quel niveau de pilotage, c'est fantastique. Mais le dernier tour, il ne lâche rien, les Panis. Il va tenter quelque chose. À l'intérieur maintenant, Panis, portière contre portière. Oui, il va peut-être y arriver. Non, il n'y arrivera pas. Et attention, Olivier Pernod qui est revenu sur Berton. Nathalie Berton. Oui. Allez, il reste une occasion ici. Dans ce virage, en bas du circuit. Oui, il la balance. Attention, limite du tentacle. Ça va peut-être passer pour Panis. Non,
c'est Benjamin Rivière. Quelle voilà. course. Drapeau à damier. Quelle bagarre. Impeccable. Pas de contact entre les deux. Et non. Donc on a la même hiérarchie. Rivière, Olivier Panis, Tata Alberton et Olivier Perdon. Écoute, il n'y a pas eu une finale ennuyeuse depuis le début. Et quand on sait celle qui va arriver... Oula. Oula, comme tu dis. Et on va retrouver des panismes, on retrouvera Aurélien. Oui, le plus mûr de tous. Ouais.